1914, 1915, les années atroces. J'avais quitté Djibouti, la splendeur de la mer, du désert, mes fidèles marins pour défendre mon pays. Quelle désillusion. Après quelques mois, la maladie me met hors service. Je suis réformé, rejeté à Paris dans les coulisses de la guerre. Ces coulisses hypocrites où l'on feignait de l'ignorer. C'était irrespirable. Ah, monsieur de Montfred, il paraît que vous songez à quitter la France. Oui, on m'offre une place près du poêle. Alors très peu pour moi, je pars. Ma présence sera plus utile là-bas. Vous allez retrouver vos sauvages. Monsieur de Montfred, je voudrais vous présenter à monsieur Dalbiez. Monsieur Dalbiez connaît fort bien notre ministre des colonies, monsieur Doumergue. Monsieur Dalbiez, voici monsieur de Montfred. Ah, enchanté. Enchanté. J'ai entendu parler de vos exploits. Et qu'est-ce que vous nous mijotez? Quel Trafalgar? J'aimerais fonder un comptoir français aux îles Farzan. C'est un point stratégique en mer rouge, juste en face de l'Arabie. Et vous voulez solliciter une escadre? Non, j'ai réuni quelques biens et je vais racheter un bateau. Vous avez besoin de soldats? Quelques soldats, mais surtout des plongeurs. La guerre sous-marine? En quelque sorte. Je voudrais fonder un comptoir de culture de perles. Mais je croyais que l'on trouvait les perles dans les huîtres. C'est une méthode nouvelle qui vient du Japon. Une sorte d'opération. De la chirurgie? Quelle horreur! Non, du jardinage, madame. Monsieur Dalbiez, pourriez-vous m'obtenir une entrevue auprès de monsieur Doumergue? Mais bien sûr, quand vous voudrez. Vous m'êtes très sympathique, monsieur de Montfred, mais la culture des perles, cela ne me paraît pas de première urgence. Les Parisiennes ne tripleront pas leur collier, voilà tout. Des perles. Et de la nacre, monsieur le ministre, qui rapporte chaque année 2 millions de livres sterling. La nacre aussi peut attendre. On se bat à Verdun. Je sais, oui. C'est là que tout se joue. Et le pétrole? Le pétrole? Les Turcs viennent de quitter Farzan. Il faut y fonder un établissement. Comme vous y allez. Nous ne pouvons pas distraire un seul navire des théâtres d'opérations actuels. Mais je n'ai besoin de rien. 50 hommes et une canonnière. Pas davantage? Avec ça, Farzan tient le blocus de la côte, je m'y engage. Et le Yémen reconnaît notre présence. Sincèrement, j'approuve votre entreprise. Officiellement, je ne peux rien vous confirmer. Plus tard, devant le fait accompli, les affaires étrangères prendront à faire leur compte. Vous vous en fichez, je pense. Totalement. Quand vous serez à Djibouti, allez tout de même voir de ma part mon ami Simonier, le gouverneur. Il vous apportera son appui. Son appui officieux. Je vous souhaite bonne chance. Abdelhaï! Arrête! C'est merveilleux! Je t'attendais! Où est Abdi? Tu ne sais pas? Il est parti à la guerre. À la guerre? Oui, il a dit je vais rejoindre Abdelhaï. Je ne comprends pas. Il croyait que tu courais des dangers. C'est ici que je vais en courir. On repart, Aref. Tu as trouvé un bateau? Oui. Viens voir. Il est à vendre. Ce n'est pas le Fateh Rahman, mais c'est un bon bateau. L'Altaïr.
monde ici est convaincu que j'ai le nocib, la chance. C'est vrai, j'ai la chance avec moi. Si la chance, c'est de ne pas désespérer. J'avais retrouvé un bateau. Nous allions partir de nouveau. Pour ce que j'ai à faire, l'Altaïr suffira pas. Il me faut deux autres boutres. Deux autres? Tu n'en trouveras pas. Des plus petits, non? Des plus petits... Jobert en a un, le Rengilet. Ali en a un autre, le Sahala. Ce sont des amis. Tu veux que je les appelle? On va les chercher, on va essayer d'arranger ça. Abdelai, Jobert, Salam. Salam. Ali. Salam Ali. Tiens. Je te remercie. Arrive t'as parlé? Un petit peu, oui. Bon, j'ai besoin de deux bateaux. Vous pouvez partir? Dans deux jours ou plus tard pour les îles Farzan. Nos boutres sont au port, si tu veux les voir. Mon marché conclu. Bref, il me faut des plongeurs. Des plongeurs? Oui, nous allons fabriquer des perles. Fabriquer des perles? Tu ne me crois pas, hein? Si, mais c'est... Si, mais tu ne me crois pas. Je te crois toujours, Adelaï. Tu peux tout. Alors tu peux fabriquer des perles. Eh bien, vous aussi, vous allez en fabriquer. Bon, vous préparez tout pour le départ, moi je vais chez le gouverneur. Aïe. J'ai beaucoup de respect, et même d'affection, pour mon ministre. Je suis sûr qu'il vous a dit... Eh, voyez Simoni, il arrangera tout sur place. Bon, voilà. Simoni regrette. Mais sans ordre écrit de Paris, je ne peux rien faire pour vous. Je m'en doutais un peu. Attendez. C'est bien à Farzan que vous voulez aller. Entrez. Je vais faire une lettre personnelle au cheikh Idriss. Le cheikh de Farzan. Merci, tout peut servir. Même une lettre d'introduction. C'est un île guette, Farzan. Infesté d'anglais, d'allemands, d'espions de toutes sortes. Seulement voilà. Ils ont besoin d'Idriss. Pour il le ménage. Mais... Ne vous emballez pas, vous n'êtes pas encore à Farzan. La côte est bloquée par les Anglais et ils ne laissent passer aucun boutre. Sauf ceux en provenance d'Aden. Je sais. On m'a déjà prévenu. Bravo. Oui, dites-moi, puisque je vous tiens. Je me fais construire un bateau et je voudrais le gréer avec une voile latine. Qu'en pensez-vous? Elle a fait ses preuves. Je voudrais naviguer. On m'a parlé de l'île des Trois Frères. C'est un excellent endroit. Des palétuviers pour l'ombrage, quelques gardiens de chèvres, et pas d'anglais. Ne soyez pas amer, monsieur de Montfred. Votre audace est tout à fait sympathique. Je ferai porter la lettre pour le cheikh Idriss à votre bord. Merci.
alaikum. Sois le bienvenu, mon frère. Salam, Mouti. Ton retour chez nous me réjouit. Tu as trouvé un bateau, des marins. Ben oui, je suis de retour, tu vois. Allez, monte à bord. Toi, tu es toujours là, hein? Mais ton Joseph a disparu. Les armes, c'est dangereux maintenant. C'est dangereux et ça fait du bruit. On m'a dit que tu reprenais ton rêve. Les perles. Oui, les perles. À Farzan? À Farzan. Et tu vas fabriquer des perles? Dis-moi, tu sais beaucoup de choses, toi. Ah. Je m'intéresse beaucoup à toi, mon frère. Je sais qu'à Farzan, la pêche des perles est très bonne. C'est à Domso qu'on trouve les plus belles. Mais elles sont bien gardées. Les requins. Dis-moi, tu connais Cheikh Idriss? Je l'ai connu, mais je ne le vois plus. Il est de plus en plus rare que je me déplace. T'as pas encore l'âge de rester au port? Tout a changé en mer Rouge avec cette guerre. Le faux est devenu vrai et le vrai faux. Aujourd'hui, c'est un autre jeu, d'autres cartes. Tu comprends? Alors je reste chez moi, ici. Et je crois que tu aurais agi sagement si tu en avais fait autant. Monsieur de Montfred! Monsieur de Montfred! Monsieur le gouverneur Simoni m'a chargé de vous remettre ce pli. Puis-je me permettre de vous demander si vous faites escale à Obok? Oui, oui, un petit arrêt gastronomique. Justement, nous avons un colis de fromage que monsieur l'administrateur Lassaigne fait venir de France. Sacré Lassaigne! Pourriez-vous le lui faire parvenir? Et comment est-il? Fait, très fait! C'est vrai, pas un instant à perdre! Ne vous inquiétez pas, je serai au boc à la nuit. Monsieur le gouverneur m'a prié de vous souhaiter bonne chance. Au revoir, monsieur. Ainsi donc tout recommençait, ou plutôt continuait, comme si rien d'autre n'avait existé, comme si rien d'autre n'existait. J'avais prévu de faire escale le jour même à Obok. J'avais fait prévenir l'administrateur Lassaigne de mon arrivée. Je ne manquais jamais une occasion de lui rendre visite. J'appréciais son amitié fidèle et savais le plaisir qu'il prenait à me recevoir dans sa solitude et à me régaler de plats succulents.
Le vent avait faibli avec la fin du jour, mais je comptais bien arriver pour partager son dîner. Aucune voile en vue, Moussa ? Non, monsieur Lassaigne. Le vent est tombé. Monsieur de Montfred n'arrivera pas avant la nuit. Monsieur de Montfred respecte trop l'art subtil de la cuisine pour faire attendre un canard aux truffes. Moussa, nous pouvons allumer le four. Non, merci. Ce soir, cèpe bordelaise, lapin à la moutarde ou canard aux truffes. Et un camembert bien fait. Parfait. Excellent. Dans 10 minutes, ce sera sublime. La boue est à feu, bon Dieu! Pourquoi n'est pas allumée? Si on ne trouve pas la passe, on va se foutre sur les récifs. Regarde Abdelhaï. C'est une barque, avec un fanal. C'est sûrement la Seine qui nous l'a envoyée pour nous guider. La bouée doit être en panne. Le transbordement sur le Sahara. Quelle heure, Nguilet ? Eh bien, qui file sur Coca directement. Moi, je vais m'occuper de ce monsieur. Viens ici ! Jobert ! Cap sur Coca ! Ordre d'Abdelhaï ! Tu nous attends à Coca ! C'est Allah. C'est un grand malheur. Allah, toujours Allah, c'est pas Allah, non ! C'est pas lui qui t'a dit de nous foutre sur les récifs. Dis-moi, c'est Salim Mouti qui te paie. Non, c'est l'administrateur. Un terrible malheur, c'est vrai. Ah, on aurait voulu gâcher notre dîner comme s'il serait pas mieux pris. Enfin, n'y pensons plus, mon vieux. J'ai flanqué le type en prison et demain, je préfère une enquête. On ne parlera pas. Il dira qu'Allah est grand, qu'il mérite d'être puni. Quelquefois, il craque. Rarement.
merci. De toute façon, ce qu'il sait, je crois déjà le savoir. Un coup de Salim Mouti? Il y a de fortes chances. Ma disparition arrangerait bien les Anglais dont il est l'agent. Et eux ferment les yeux sur son trafic d'esclaves. Ce canard est une splendeur. Il a un peu attendu. C'est dommage. Enfin, demain, nous aurons des cèpes. Vous aimez? À la bordelaise. J'adore, mais... Eh bien, il vous faudra remercier M. Salim Mouti qui vous contraint d'être mon invité un jour de plus. Un jour. Demain, je mets à votre disposition mes hommes et un bon charpentier. En une journée, ils auront réparé les dégâts. Et alors? Le type n'a pas parlé. Mais on a la preuve que la bouée à feu était sabotée. Les salauds! Altaïr, comment se porte-t-il? À merveille! À la prochaine marée, ils nous pourront mettre à flot. En continuez, faites le plus vite possible. Je vais saluer la Seigne. En acceptant de partager ce soir avec moi la pain à la moutarde et ce fromage. Je suis désolé. Ne soyez pas désolé, je plaisante. Je sais bien que vous êtes pas. J'ai hâte de rejoindre mon troisième bateau. Je l'ai envoyé en avant et il doit déjà être à Coca. Et le Nakuda. C'est moi-même. Bon, eh bien, nous avons l'ordre de te conduire devant le chef de Coca. Il faut nous suivre. Habib, après les Hedokenji. Aïe, aïe. Dépêche-toi. Venez. On a sûrement dû te prévenir que je n'aime pas beaucoup les étrangers qui viennent visiter notre ville sans ma permission. Surtout les étrangers qui cherchent à me cacher la vérité, tu comprends? Très bien. Tu vas me dire ce que tu es venu faire à Coca. Je navigue avec mon Fred. Puisqu'il dit qu'il navigue avec mon Fred, c'est que nos renseignements étaient bons. Emmenez avec vous tous les hommes disponibles pour recevoir l'Altaïr. Je veux mon Fred. Il ne faut pas qu'il puisse nous échapper, c'est bien compris? Allez! Delay regrette son lapin à la moutarde. Bref, je ne regrette jamais rien. Mais j'ai hâte d'arriver à Coca.